Éric Antoine divorcé, ses rares révélations sur un moment compliqué, je repars de zéro. Dans les colonnes de Téléstar, Éric Antoine, animateur de l'émission Les Traîtres sur M6, s'est confié sur sa vie personnelle, notamment sur son divorce qui l'a marqué. À la tête de plusieurs émissions dont La France a un incroyable talent, Le Juste Prix ou encore Lego Master, Éric Antoine ne s'arrête plus. Mais pour l'humoriste de 47 ans, tous ses projets représentent un bonheur qui sécurise sa famille. Cela me donne une liberté pour la suite. Je suis passé par un divorce qui est un moment compliqué de la vie. Je repars à zéro. J'ai donné ma maison et je veux protéger mes enfants. Si est étonnant mais je vis entre Aix et Paris et je suis locataire. J'aimerais avoir un appart à moi où je serais un peu tranquille, a-t-il expliqué à Téléstar. Pour rappel, Éric Antoine avait annoncé en 2023 son divorce avec Calista Sinclair. Dans les colonnes de Paris Match, le magicien s'était confié sur sa double vie depuis son célibat. J'ai un agenda très complexe et là, je suis en mode monastique, je ne fais que travailler et m'occuper de mes enfants. Point, je suis en plein marathon professionnel et paternel. Il fallait que le papa que je suis puisse continuer à garder ses enfants une semaine sur deux, donc j'ai demandé des horaires aménagés. Éric Antoine, un véritable papa poule. Malgré un emploi du temps très chargé, l'humoriste consacre toujours du temps à ses deux enfants, Ulysse et Raphaël. Dans les colonnes du Parisien Week-end, Éric Antoine a détaillé sa journée type avec ses garçons. On part se balader, avec ou sans nos chiens, soit en bord de mer dans les Calanques, du côté de Cassis, soit en forêt, du côté de la montagne Sainte-Victoire. Puis j'emmène mon fils cadet au foot. Comme tous les parents avec qui je copine en bord de terrain, je l'encourage, je me réjouis de ses victoires, m'attriste de ses défaites. Le programme du dimanche est, lui, un peu différent. Le dimanche, une fois les copains partis, on s'attaque aux devoirs et on dîne devant les Simpsons. Parfois, les enfants viennent aussi à Paris.